Bonsoir, nous c'est la Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC. Moi c'est Jacqueline Bélisère. Quel est un grand point cap dominé actualité? Haïti, jeudi mercredi 30 octobre 2019, là, manifestants accompagnés de docteurs et clubs personnels de la santé descendent dans la rue pour dénoncer le système santé et réclamer démission au président Jovenel Moïse. Toujours dans le pays d'Haïti, Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin annoncé l'autorité à prendre mesures appropriées pour garantir la sécurité population. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le développement actualité sous la Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti. Côté situation toujours compliquée, d'abord, il y a un correspondant de Port-au-Prince, Massado Villemay, qui fait nous connaître que la route que, en général que le cortège présidentiel a utilisé, qui c'est canapé vert, eh bien, il est bloqué, non seulement avec feu, mais il est bloqué tout avec feu forgé. Et son nouvelle formule qu'on y a que nous, ouais, dans pile côté, bloqué avec feu forgé et avec feu, ça fait dans Delma. Donc, levé campé contre le président Jovenel Moïse, là, eh bien, il continue dans la capitale là et dans quelques villes, provinces. Par exemple, dans Port-au-Prince, manifestants accompagnés de docteurs, avec l'autre personnel, la santé, qui descendent dans la rue pour dénoncer le système santé là, et réclamer démission au président Jovenel Moïse. Déclaration quelques participants dans micro et devant caméra correspondant à Port-au-Prince, Machado Villemay. Nous-mêmes dans le secteur santé, et tout membre dans le secteur santé, nous constatons que santé vraiment reconstitué un miroir, reconstitué un microscope, reconstitué une lunette qui permet nous voir le pays, qui permet nous garder le pays. Et là, nous garder le pays, nous allons vivre depuis vraiment peut-être 50, 40, 50 ans. Un modèle qui engendre inégalité, qui engendre exclusion. Donc, nous pensons que le temps pour le secteur santé à participer à la bataille contre l'exclusion. Attention, ce n'est pas une marche pour le secteur santé, c'est une marche par le secteur santé. Nous simplement organiser, nous rentrer dans la bataille contre la population. Je ne peux pas ajouter, c'est que nous avons, si vous regardez dans le contexte, nous avons déjà y a trois personnes qui mourent. Et plein de personnes qui mourent la caille. Par manque de soins, ils n'ont pas même capable d'acheter médicaments. Leur arrivée joint soin docteur. Les docteurs qui pas même arrivé dans l'hôpital pour bailler soin. Leur temps pour nous finir à bagaille ça. Et pour rester dans le cadre ça docteur plutôt t'a dit et qui est important, c'est que revendication nationale yo beaucoup plus important que revendication corporatiste ou sectorielle. Secteur santé a malade tout, c'est pas cool il y a le malade, non le malade depuis longtemps. On y a c'est pire. Donc nous là, nous prenons ensemble à la population pour nous résoudre tout problème, y compris problème santé. Merci beaucoup. Docteur Cantable. Ça moi je voulais ajouter, c'est que dans tout pays qui vient dans mon temps, donc plus on va à l'école, plus on étudie, c'est plus comme si demain on assuré. Or ici, nous est que c'est tout à fait le contraire comme ce qui a fait. Et en plus, est-ce que nous sommes capables d'imaginer que 4,2 milliards de dollars qui gargotent, par exemple, on s'en deux centres comme ce qui construit, par contre, l'hôpital comme ce qui bâtit, mais mon dispensaire nous baguette qui répond avec comme une norme standard. Donc nous-mêmes, nous sommes comme si c'est une bataille menée comme si contre corruption. Donc il faut nous sommes Jovenel Moïse comme si les marées baguette l'alphabet d'y aller. Et ce n'est pas seulement Jovenel Moïse qui pour le nom. Donc tout pour le nom, c'est que comme si il y a un petit groupe, apparemment nous disons soi-disant bourgeois, qui est toujours là comme si ils ont fait commerce politique, et qui est toujours là comme si chaque fois qu'il y a élection, ou toujours comme si financer comme si candidat. Et les candidats ont fini financer comme ça, les films vivent et accéder comme si au pouvoir, ils gagnent de votre vers lui-même. Donc c'est ça qui fait que nous toujours dans la même situation. Ça. Donc moi-même, ça nous a dit, nous avons dit que dans la prochaine élection, il y a non seulement que tu as des mesures électorales qui pour empêcher que pour un candidat qui fait campagne avec 10 gouttes, l'une fait campagne avec 500 gouttes, qui a marché pour un disant 10 toll, pour un ciment, pour tout bagage, mais on a ça peut-être pour la gagne d'être, l'elfinir pour la payer. Et puis la fille, deuxièmement, tout comme nous sommes pays qui est indépendant, pour que nous avons arrivé à jouer un moyen pour que nous arrivions à organiser propre élection par nous. Donc c'était un marché personnel médical jeudi à dans Port-au-Prince et qui eux même ils ont dit fort que vous faites en des voix yo pas seulement ils dit il y a pour réclamer aucun avantage pour le secteur que y a mais c'est pour tout pays a yo a fait marche ça parmi personnalités qui étaient présents dans mouvement ça t'es gain député Printemps Bélisère. Et là nous pour troisième circonscription pas dans que moi même représenté là son circonscription qui malade côté que moun yo pas gain santé. Et là, pour l'hôpital Simbi Continental, là, l'argent Petro-Caribé a gaspillé la donne. Eh bien, les gens qui ont dans la troisième circonscription, pas aucun encadrement, l'hôpital Simbi Continental, pas Jean-Pierre Achevé, c'est seulement Médecins Sans Frontières que nous gagnons. Et je dis à la main, là, pour nous dire, il faut que les conditions
de travail, travailler, santé, changer. Là, nous avons un médecin, c'est nommé, un médecin en France, un médecin aux États-Unis. Nous, ouais, combien de fois pour médecin touché aux États-Unis, en France et partout à travers le monde. Mais en Haïti, médecin au traitant par un pauvre, et bien nous dit, fort condition de travail, travailler, santé, changer. Et c'est comme ça qui fait que moi-même, là, je dis. Écoutez, chaque année, quand que projet de loi de financement vient devant la Chambre des députés, nous toujours faisons le maximum d'efforts en tant que députés de l'opposition, spécialement député Sinal Bertrand, qui est président de la commission de santé. Côté que nous toujours bataillons pour qu'il y ait des affectations qui fait pour augmenter le budget santé. Mais malheureusement, nous connaissons le pouvoir, ça n'a pas aucun intérêt pour encadrer la classe moyenne, pour permettre que les médecins, travailleurs de santé, capables vraiment toucher au minimum qui peut changer les conditions de bio. Et mais c'est ça qui fait que nous disons, eh bien, nouveau l'État, ça, nouveau système, ça, qu'on a prôné, il faut que d'abord, eh bien, capable de conditions de travail, l'ensemble des travailleurs de santé en Haïti, capable de changer pour mettre un bon encadrement. Sous Jean-Bertrand Aristide, tu as trois secteurs prioritaires dans la santé. C'était d'abord la santé, sécurité, ensemble avec éducation. Et bien, face à ce système ça que nous voulons dire là, face à ce régime ça, tout ça est tombé. Alors, et bien, nous-mêmes, nous là pour nous dire, il faut que la population ait un encadrement, il faut que les médecins, il faut que travailleurs sociaux, alors travailleurs de santé, il faut un bon encadrement pour qu'on sorte de la situation des misérables que député Printemps Belizère qui devine porter solidarité dans marche que travail la santé au fait jodi à n'importe quoi. Nous parlons qu'on y a dans ville au cas côté pasteur ou même t'es fait un dévoyau à travers une marche qui t'apprend et transformé en manifestation côté y a demandé démission président Jovenel Moïse. Nous parlons l'occasion et de l'ambiance là. La vie chère, il en faut tout le monde, eh bien, nous pas gagné l'école, et nous pas gagné santé, nous pas gagné électricité, nous insécurité à faire parler de lui, sur tout le territoire, dans tout coin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et pays d'Haïti. Et bien, dans ce sens, pour dire que nous sommes citoyens, et nous concernons des situations pour nous, nous n'avons pas capable de rester inactifs. Pour ne pas faire tant de voix nous, faire tant de revendications. La voix d'Amérique a depuis Washington, d'ici donc nous sommes dans la ville Okai. D'après changer de sujet, mais toujours concernant le pays d'Haïti, et bien concernant la requête assistance humanitaire et logistique, Haïti a fait les États-Unis. Sous secrétaire d'État adjoint dans le département d'État américain pour l'hémisphère occidental, en parlant de John Pichowski, eh bien, il dit que yo poko gen yon réponse, y a travail pressé sous demande ça. Entendez, monsieur Pichowski. Demande ça, pressé. Demande ça, montrer que problème yo dans le pays d'Haïti sont plus grandes pendant que Haïti pas gain gouvernement fonctionnel. Ça, c'est bagaille qui inquiétait nous, qui inquiétait la communauté internationale. Parce que nous connaissons que le peuple haïtien souffre qu'on y a là. Et dans la requête que Haïti a fait bon côté du département d'État, il a été mentionné tout, il y a besoin d'appui logistique. Qui ont élaboré sous façon que les États-Unis comprennent bagaille ça, à savoir appui logistique que demande l'affaire. Moi, pas connais. N'a pas tidié demande pour bas aide alimentaire. Évidemment, dans tout cas, si États-Unis prennent bas aide alimentaire, nous voulons que les Haïtiens puissent manger aide alimentaire. Et si il y a une question logistique dans un problème, ça, nous prenons étudier. Mais moi, pas connais. Monsieur John
Pichowski, te répond question Ronald César, diplomate américain, te tout profité renouveler position Washington qui soutient un dialogue entre Haïtiens pour déboucher sur un nouveau gouvernement dans le cadre de recherche pour une solution à la crise qui a traversé, je ne vous dis. Il y a une proposition qui soulève les plusieurs acteurs de la classe politique là. Parmi eux, sénateur Youri Latortue, membre alternatif consensuel pour refondation de l'État, qui lui-même tout président pour les partis politiques Haïti en action, l'ITBA en point de presse après-midi. Les États-Unis tapent toujours dans le cadre d'un processus démocratique, mandat pour que nous chitons pour dialogue. Mais les États-Unis te mandé ça. Moi, j'ai l'impression de faire omité, secrétaire d'État à jour. Là, te mandé ça. Eh bien, c'était le dialogue là qui est possible. Bon, comment je dis, on est quoi le dit que le tribunal administratif qui est indexé au monde, qui dit qu'il faut le devant la justice, et puis pour me chiter à faire dialogue. Pour me faire dialogue, pour qui ça? Pour mal participer dans le gouvernement avec elle. Pendant ce temps, je dis c'est la justice pour l'aller. Dialogue là, c'est avec la justice. Et n'a dit les États-Unis, si mon dialogue, c'est avec la justice pour le président Jovenel Alfel. Le président Jovenel, tu as fait des dialogues, tu avais il il va te camper, il va te prendre des dialogues. C'est à toute bouline. Je dis, première dame, la pas parti. Première dame, la parti, il fait tout à fait. Il transfère quoi pour pas de dialogue. Les Jovenel gagnent un bateau Petro-Caribe, ils ont rentré trois bateaux qui étaient rentrés sous l'IO. Ils prennent le faire en cachette, 30 millions de dollars. Ils dépensent 30 millions de dollars, ils même à dire que c'est bien là. Pas de dialogue. Les Jovenel, premier ministre Kabritli, pas de dialogue. Les Jovenel, et conseil d'administration Sophie Lai, c'est découvrir, mal découvrir ça sur le site la banque là, par un dialogue. Avec tout le dia là, pour ça dialogue, on a fait tout ça, yo, qui fait que je dis à tribunal administratif de mon Excel, et puis moi-même, pour faire dialogue, comment population ça a pour eux, en général. Bon, l'on fait dialogue, vous faites gouvernement avec Jovenel. Alors, l'autre est dit pour aller devant la justice ça. Pendant que fait gouvernement, ou va le dire, ou puis on a encore, puis on fait gouvernement avec elle. Je dis à dialogue là, c'est impossible, impossible. Gardez le Premier ministre Liban. Après 13 jours de manifestation, il dit que faut toute force chita. Le peuple a dit non. Et bien, nous remettons démission. Même pas croire que la France continue à demander des dialogues, non. Même pas croire que le pays, les États-Unis, demandent des dialogues, non. Il a juste demandé pour que le pays ça, il continue à assurer stabilité. Non, Miko est devant caméra, correspondant à nous, oui, dans tout ça, c'était sénateur Youri. La tortue. Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin, qui à la tête du Conseil supérieur pour la police nationale, a annoncé mesures pour rétablir la sécurité en d'un pays. Les membres des instances concernées pour prendre responsabilité dans ce sens. Peuple haïtien, femmes ou garçons dans tout pays, tout le monde, monde qui est dans le secteur privé, monde qui est dans le secteur public, dans le cadre de responsabilité, l'État a gagné à travers la structure de sécurité, sorte chita à parler pour nous capables de répondre à la responsabilité. Ça. Responsabilité pour qui assurer sécurité, vie et bien tout le monde. Responsabilité l'État pour le capable d'assurer sécurité tout le monde. Tout le monde qui décide pour une raison ou pour une autre à manifester Jean Constitution garantit ça. Responsabilité de l'État à travers la justice, à travers la police, pour les sécuriser bien à vie toute l'autre catégorie monde qui ont même décidé de mener activité. C'est peut-être ça. Je dis, dans le cadre d'un gros chita parler, chaque monde qui a une responsabilité dans tout ça, nous sommes dit la justice, la police, sécurité publique, ministère de l'Intérieur, nous sommes prendre des décisions pour nous capables d'assurer sécurité tout pays. Donc c'était Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin qui
c'est tout qui joue rôle à la tête Conseil supérieur police nationale sous question sécurité. Pendant ce temps, on dit nous que correspondant au deal, eh bien route que président cortège présidentiel là en général utilisé sous route canapé vert, eh bien li bloqué avec feu forgé. Mais sous invitation bureau diocésain éducatif Nord-Est, Monseigneur Kesnel Alphonse, évêque diocèse Nord-Est là, célébré une messe spéciale dans la cathédrale Saint-Joseph pour liberté jeudi mercredi 30 octobre 2019 là. Avec participation toute l'école catholique dans le département en baptême, en formé bon chrétien et citoyen honnête. Un reportage, Jodley Junior Saint-Ville. Mercredi 30 octobre 2019, là, spécial chanté dans la cathédrale Saint-Joseph pour liberté, avec participation toute l'école catholique dans le département Nord-Est, là, sous invitation bureau diocésain éducatif Nord-Est, en baptême, en formé bon chrétien et citoyen honnête. Célébrant principal là, évêque diocèse Nord-Est là, Monseigneur Kenel Alphonse, dans sermon li, te mette accent sur réalité pays à vivre journée jodi a, ak changement système pi fò moun ap mande a. Monseigneur Kenel Alphonse. C'est toute institution yo, en dedans société ça kap soufri. Image kap rive jwenn non, gade image sa yo et puis pour même ou poser cette question ou ti mais ki côté nous rive là. Qualité monde que besoin qui vous arrivez. Jean question tient changer système non c'est là qu'a commencé c'est la qualité éducation puis à bail dans l'école là d'arriver changer système non sinon la continuer fait dégâts toujours. Yo l'autre côté Monseigneur Kenel Alphonse déclaré malgré toute situation difficile nous pas doué perdre l'espoir. Il n'y a aucune situation désespérante. Élève ak étudiant yo bon côté pa yo té la prière pour l'autre élève ak professeur surtout si la yo ki pa encore reprendre chemin l'école. Pays Haïti a traversé mauvais moment. Côté nous pas capable vivre en paix. Nous en bas insécurité nan grand coup. Côté nous fin perdre toute valeur qui fait nous monde. En nous mandé bon Dieu ak Marie pour yo protéger garder nous. Prions pour les étudiants et les élèves qui participent à cette célébration. Prions pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'école à cause de l'insécurité. Jodley Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Célia, merci Serge Oudiguès. Nous pratiquement arrivés dans le programme. C'est ton plaisir, l'autre fois encore pour nous te servir. Donc si ça te fait plaisir, nous passons rendez-vous pour demain avec Actualité. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lamézère. Bonsoir.